du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude de la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Nous sommes réunis, mes frères et sœurs, cet après-midi dans cette église pour entourer de notre affection, notre sympathie, ceux et celles qui sont dans la peine. Nous sommes là aussi pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la parole de Dieu qui nous réconforte et qui nous invite de rester toujours dans l'espérance. Nous allons ranimer maintenant cette flamme près de Nicolas, notre frère, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ces pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance, la lumière. Deux membres de la famille. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Nicolas et pour chacun et chacune de nous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison les amis, famille de Nicolas qui vient de nous quitter. Dans cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Merci. Lecture du livre de prophète Isaïe, chapitre 49, verses 1 à 6. Je fais de toi la lumière des nations. Écoutez-moi, l'île lointaine. Peuple énoyé, soyez attentifs. J'étais encore dans les seins maternels que le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère qu'il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une paix tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur d'Israël, et toi je manifesterai ma splendeur. Et moi je disais, je suis fatigué pour rien, c'est pour le néant. C'est un pur perdre que je usais mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dans le sein de ma mère, et que je sois son serviteur, que lui ramène Jacob,
et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob, ramener les récapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Tu es dans chapitre 3, versets 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons écouter le témoignage maintenant. The eulogy I'm about to read was prepared by the daughter of Nicholas, Yvonne Emmanuel, and this service is also going out, being transmitted out on YouTube. Nicholas Andreu was born on September the 22nd, 1961. His mother was Martha Angela Andreu, née Edmond, and his father was Emmanuel Andreu. Nicholas was the youngest of eight children. His siblings are Bennett, Anderson, Jean-Claude, Christian, Cyril Singleston, Japhet, and Josephine. Nicholas was born and raised in Ossopane, where he lived most of his childhood and attended primary school. As we gather here today, we are united by the love and the profound sense of loss. We all feel for a man who touched our lives in ways words can hardly express. If you knew Nicholas, you would also know he was not just a father to his children, a companion to his beloved, but he was also a dear friend to all us that knew him. He was a constant source of warmth, a helping hand for everyone he knew, a masculine force with a strong will that delivered on his words and commitment. His energy and spirit were as boundless as his capacity to love. He did everything from his heart, and that could be seen in everything he did for all the people he knew. At a very young age, Nicholas was a person who had the strong will to work and learn everything he put his mind to. He was a man of many talents and was passionate about his work. But above all, he was a man of extraordinary kindness and a giving heart. And he carried that sense of community with him throughout his life, everywhere he went. His employment journey started as a young boy, when he was about 12 years old, when he used to work at the nearby golf course as a caddy boy for the older members. Shortly after that, he found work as an apprentice in stone masonry, in which he was instructed by his older brothers, Jean-Claude and Anderson, both of them being qualified masons. But his mental horizon extended far beyond concrete walls, for he took a major interest in electrical work. At first, he was largely self-taught, but he soon joined the technical school where he completed his studies and immediately joined the working world. He was contracted for AC installations at the Seychelles Hospital, and after that, he went to work for PUC as an electrician for a period of time. He was known there for setting up electrical cabs for PUC around the island. But then Nicholas decided to join the hotel industry. It was there that he found a place to call home. He was employed around this time by Seychelles Hotel, where he worked as a handyman worker in maintenance, and he was sent off to Dennis Island,
where he continued his career. Nicolas was then transferred to Oberschleur Hotel in Danzil-Bellon. For more than 10 years there, he dedicated himself to his job at this establishment as the head of maintenance. Auberge was also where he met his lifelong partner and loving companion, Pamela, with whom he had 6 beautiful children, namely Trevor, Yvonne, Saïd, Nicolaïsa, Amish, Mathis. They shared wonderful moments and memories there until the hotel closed down. Nicolas also had a daughter named Anselma from a previous relationship. Shortly after that, he worked as a self-employed contractor for electrical and refrigeration for the rest of his life. From then on, everyone knew him as a jack of all trades. There's nothing Nicolas could not do. And this was also always seen in the work he did and delivered. There was never a time when you would call him and he would not show up, even if it might be a few days later, as he was always busy. But sooner or later, he would be there. My father was a man of humble beginnings, but he was rich in ways that cannot be measured by material possessions. He was rich in wisdom, in kindness, in love. He was the kind of man who knew the value of hard work, the importance of honesty and the strength of humility. His life was not an easy journey, but it was a journey he embarked on with courage and dignity and strong will to continue. He fought his way forward like a warrior. I was blessed to call him Dad. He loved unconditionally, gave generously, forgave easily. His laughter and humor were the soundtrack of my childhood. His smile, my beacon of hope. He had a way of making the ordinary feel extraordinary and turning dull moments into cherished memories. Dad was a hard-working man, and he brought that same precision, dedication, and passion to every aspect of his life. But it was in his role as a father that truly showcased the depth of his character. He was not just a dad. He was a superhero without a cape, as he liked to say. He was as fast as a speedboat and as strong as Superman. He was a teacher without a classroom to his sons and to those who listen. He taught me the importance of resilience, the power of kindness, and the value of integrity. He taught me to be brave, to be compassionate in the face of cruelty, to be humble in the face of recognition. He taught me not just to live, but how to live well, with purpose, with passion, compassion, with the strength and will to wake up each morning and keep fighting this life with love and strong will. For that is the only way forward. His friendship was a gift to many, one that we unwrapped every day. It brought us immense joy, comfort, and love. We will never forget you, Nicolas. You were a friend who left footprints of love and kindness on our hearts. As we say goodbye, know that your spirit will continue to live on in your children and in our memories. It's not easy to say goodbye, especially to a man like my father. He was my motivation, my greatest mentor, and my dearest friend. I held his hand for the longest time, and we fought the hardest battles together. Little did we know this time would be our last fight together. His passing leaves a profound void, yet his spirit continues to surround and guide us. Pops, as we call him, lived his life embracing every moment, cherishing every breath he took. Even during his dying days at the hospital, he would find solace in the simplest things, whether it was a sunset or some music enjoyable to his ears. He fought hard and nearly couldn't anymore. He made his last days memorable as he stayed mentally strong and gave each of us the chance of saying goodbye. His legacy is not just in the years he lived, but in the many lives he touched, the hearts he warmed, the souls he inspired. Dad shocked the doctors and the staff
at the different hospitals as he was still alive after multiple chronic diseases and after battling the last stages of the deadly disease. He was a warrior and fought hard. When asked why, his answer was always that he was doing it for his children. Today, as we bid farewell to my father, I'm not saying goodbye. Instead, I'm saying thank you. Thank you, Dad, for your unwavering love, your invaluable lessons, your even strength to keep going. Thank you for your laughter, your humor, your uniqueness, your wisdom, and your guidance. Thank you for being my dad and for being everyone's helping hand. Dad, your physical presence may be absent, but your spirit lives on. Your love continues to surround us. Your wisdom continues to guide us. And your laughter continues to echo in our hearts. Rest in peace, Dad. You will always be loved, always be missed, and forever remembered. I read this on behalf of his daughter, Yvonne Emma Adoye. Now I would like to call a cousin of Yvonne, Richard, to come up here to read a message from overseas. Ça, soit si court, ton zan Anthony. May our condolences bring your comfort, and may our prayer ease the pain of this loss. We pray the Lord for the loss is forever carried in your memory. Words cannot express how sad we are to hear your loss. May the memory of Nicola bring comfort and peace in sorrowful time. We would like to extend to the family our heart condolences. May our Lord comfort you and your loved ones from Jean, Asselma, and Vanessa, and also all the family together. Nous sommes partis. Avec la papa et avec les enfants.
frères et sœurs, mes chers amis, la famille de Nicolas, nous avons tous entendu le vécu qui a été résumé dans le témoignage qui a été lu cet après-midi. Oui, la vie est importante. La vie est quelque chose de beau, joli, magnifique, précieuse. Tout ce qui a été dit dans le témoignage, il montrait nous que Nicolas, il y a des gens qui vivent bien son la vie. Il considère son la vie comme quelque chose précieux, un don qui bon Dieu a donné. Et il vit lui pleinement. Mais malheureusement, lorsque la maladie est venue, tout ce qui est beau, tout ce qui est important, tout ce qui est essentiel dans la vie d'une personne, s'écroule. Mes chers amis, après une courte maladie, Nicolas nous a quittés. Et nous nous trouvons aujourd'hui ici dans cette église, la paroisse Saint-Michel-Archange en Sopin, autour du cercueil de notre papa, de notre ami, de notre frère Nicolas. Il est présent, mais il est silencieux. Nous n'entendrons plus sa voix. Nous ne croiserons plus son regard. Mais quelque chose qui reste pour toujours, nous l'aimons. Nous comptons lui. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Nous avons maintenant un deuil à faire. Puissions-nous le faire en nous encourageant, en nous soutenant les uns les autres. Et une des bonnes manières, à mon avis, de commencer notre deuil est sans doute de remercier Nicolas de ce qu'il a été pour nous. Au jour le jour, il arrive souvent que nous ne voyons pas assez ce que nous recevons des autres. Posons notre regard sur notre frère qui est au milieu de nous cet après-midi. Dans ce cercueil dont repose son corps. Rappelons-nous ce que nous avons reçu et vécu avec lui. Pensons aussi à ce que nous lui avons apporté. Parfois, nos tendances humaines, on attend toujours à la dernière heure ou bien au départ de la personne qu'on reconnaît son valeur. Oui. Alors, mes chers amis, nous devons changer ce principe. Il ne faut pas attendre le départ d'une personne pour dire « Ah, mon compte en haut ». Eh oui. Nous amène ça lourd fardeau. Jésus nous invite aujourd'hui. Dans l'évangile qu'ils m'ont choisi, il dit non.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. À la fin de notre célébration cet après-midi, nous dirons à Dieu et à Nicolas. Et dire à Dieu, c'est réaliser qu'on ne se reverra plus sur terre, mais qu'on pourra se revoir ailleurs. Et c'est ailleurs, mes frères et sœurs, c'est auprès de Dieu, pour nous qui croient. Quand on dit ailleurs, c'est-à-dire auprès de Dieu, notre Père, notre Créateur. Et revoir les êtres que nous avons aimés, leur rappeler, communiquer, leur tendre de nouveau la main, c'est un espoir que nous portons au plus profond de nous. Et cet espoir sera-t-il un jour comblé? Ah, c'est une bonne question. Mais pour nous chrétiens qui croient dans la vie continue, notre foi nous assure que oui. Jésus est venu chez les hommes pour leur annoncer l'existence d'une autre vie. Et il est beau et réconfortant le texte de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Nicolas croyait en Dieu. Et si mon père trompait, lorsque sa fille est venue nous demander pour ses services funérailles, elle m'avait dit une chose. Mon papa était un enfant de cœur dans l'église en Chopin. Ceux, celles qui ont partagé, qui ont eu la chance de grandir avec lui, peuvent nous témoigner. Oui, mes frères et sœurs, j'ai écouté ces mots que Jésus nous a adressés dans l'évangile aujourd'hui et je voudrais l'appliquer à notre frère Nicolas cet après-midi. Dieu a tant aimé Nicolas qu'il a donné son Fils unique et parce que tu as cru en lui, tu obtiendras la vie éternelle. En disant aujourd'hui à Dieu et Nicolas, invoquons mes frères et sœurs avec confiance, celui qui est le maître de la vie. Demandons-lui de réaliser de maintenant, en faveur de Nicolas, les promesses faites par son Fils, en qui nous croyons. Qu'il reconnaisse Nicolas comme un de ses enfants, qu'il les fasse passer de la mort à la vie, qu'il l'accueille à bras ouverts dans sa maison et à sa table, qu'il les fasse vivre à jamais auprès de lui dans son royaume, qu'il lui accorde le repos éternel dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons écouté la parole de Dieu ensemble qui nous invite à l'espérance. Que notre prière se fasse maintenant unanime. Prière universelle. Sacré pour les prières universelles, car une demande. Back on a new journey. Thank you, Lord, for the gift of his life. May you welcome him with forgiveness and generosity in the home, heavenly home.
where he will enjoy love, peace, and life everlasting. Lord, hear our prayer. Jesus, for all the years Uncle Nicola has spent among us. A good husband, a good father, a caring and loving brother, uncle, and a good friend to many. May he enjoy the love and peace of everlasting life with you. Lord, hear our prayer. Jesus. For the church and for all of us assembled here today to worship in the faith. Bless and guide us so that we may be gathered together again in God's kingdom. Lord, hear our prayer. Et toutes les familles en deuil, afin que Dieu leur accorde la force de supporter la séparation et la grâce de rejoindre un jour ceux qui pleurent aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et daigne répondre à leurs appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous passons la quête maintenant.
pour nous mettre nous debout. Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ceux qui sont ici et pour ceux qui sont partis, car tu as permis que celui-là qui nous avait quittés soit aujourd'hui pour nous celui qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail, accaparés par nos préoccupations journalières. Voici que nous avons tout laissé pour nous ouvrir en toi à la peine des autres. Nous nous rappelons que ton Fils Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé toutes les solitudes, et par sa vie plus forte que la mort, il nous assure que nous vivrons. C'est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont précédés et qui vivent en toi, ceux dont nous avons connu le visage et qui ont reconnu ton visage, avec l'immense cortège de tous les saints, en frères et sœurs, nous te prions. Chers amis, que nous allons nous séparer de Nicolas, notre frère. Il a travaillé, il a souffert, il a servi, il a aimé. Et nous savons bien que tout cela ne peut mourir. Ne nous quittons pas sans espoir. Nous venons de nous rappeler que le Christ a vécu aussi notre vie d'homme et son amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour un dernier adieu. Un jour, nous nous retrouverons. Que cette espérance nourrisse notre recueillement et notre prière en silence. Thank you.
signe de respect pour Nicolas, voici cet ensemble qui monte devant Dieu avec notre prière. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. Et en signe de cette foi, je vais bénir ces corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son repos, celui dont tu sais tous les labeurs et le travail accomplis sur cette terre. Nous t'en prions, que tout ce qui était saint et grand pour lui soit respecté, qu'il lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal, et qu'il soit reconnu ce qu'il a fait de bon. Par Jésus-Christ ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que tout marque d'affection, tout geste d'amitié que nous avons donné, soit pour nous, mes frères et sœurs, signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allez dans la paix du Christ. Au nom des paroissiens ainsi que les habitants dans Saupin qui connaissent bien Nicolas, je présente à la famille nos sincères condoléances. Merci.